Le temple qui nous abrite était la merveille du monde asiatique. La bisonopole sera la merveille de mon monde. Mais je voyais le pavillon de restauration plus étendu. Toutes les grosses compagnies voudront leur part du gâteau. GNT Info, Shadow City, Asie du Sud-Est, ici Shen Yizhang. Le monde entier est sous le choc. Le colonel William Gill a été tué. C'est arrivé voici à peine une demi-heure, lors de l'évasion de Victor Sagat, le trafiquant qui approvisionnait en armement le général Renega M. Bison. La fort pronade que dirigeait le colonel Gill avait bon espoir de rétablir l'ordre ici. Mais depuis la tragédie d'aujourd'hui, il n'y a rien de certain. Le règne de terreur continuera. Mais la première tâche du nouveau commandant en chef de la Fort Prona sera les funérailles du colonel Gill. Shadalou, Shen Lizank pour GNT Info. Grande nouvelle, toutes mes félicitations. Je suis en deuil, imbécile. Ok. J'avais espéré l'affronter en personne et face à face. D'un honorable chevalier à l'autre. Un vrai combat, empreint de respect. Puis, je l'aurai écrasé comme une punaise. Ah, mes occasions perdues, la vie qui file entre les doigts. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je encore un despote aux yeux du monde? Un fou furieux, moi! Alors que ma seule ambition est de créer le soldat parfait, génétiquement parfait. Pas pour le pouvoir, pas à des fins nuisibles. Mais pour le bien de tous. Carlos Blanca est le premier d'une lignée qui émergera le sabre au clair de mon laboratoire et réduira en poussière les adversaires, les réfractaires de toutes les nations, de toutes les idéologies, jusqu'à ce que la planète soit sous la bienveillante emprise de la paix bisonique. Alors le monde connaîtra le bonheur. Et toute l'humanité se prosternera devant moi, éperdue de gratitude. C'est vachement émouvant. Bah ouais, c'était vachement émouvant. Alors, juste le temps que je baisse ce satané son. Quand je dis satané son, attention, très bonne musique. Musique du vrai film, celui-là. Voilà, un vrai film animé qui était sorti, je crois, 2 ans plus tard, un truc comme ça. Enfin bon, ils auraient mieux fait de jamais sortir le précédent avec JCVD. Enfin bref, vous êtes sur la multidose, il est 17h, vous êtes sur la MTV3, vous avez choisi la bonne chaîne pour voir un sac s'accrocher et jouer contre vous. Jouer contre des gens au pif, voler des points, tout ça. Et c'était quoi cette merde? Bah c'était le film avec JCVD, Feed Me More. Et salut Mister Seiko, salut le chat, salut tout le monde, salut Champ, salut Mammouth. Ah là, nous allons s'accrocher ensemble, nous sommes là jusqu'à 19h, jusqu'à que Diablo The Tank prenne le relais. Et donc, nous allons pas perdre de temps, hein. On va y aller. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, cet après-midi, ça va être sur PC. Donc pendant que la vidéo plante, bon, tout va bien. Tout va bien, nous sommes bien donc chez Data Reaper. Touche page très bien. Et ne vous inquiétez pas, elle va se relancer genre dans 3 minutes. Et enlevons le son. Mettons la capture de jeu et allons-y. Hop. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Je crois même qu'il est un chouïa bas. On va l'augmenter. Où es-tu, Street Fighter? Ah là, tu es là. Au moins à ce niveau-là. Voilà, c'est mieux. What the fuck, salut à toi. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre du Combat for Game Windows Live. Bon, j'espère qu'il a pris en compte que j'avais un bon PC, et pas comme à chaque fois, hein. Il me dit... il faut qu'on refasse le test. Ah là là. Bon, allez, charge. Alors, on va se faire partie avec classement. D'ailleurs, si vous voulez me combattre, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, tout ça, y a pas de souci, hein, je suis là pour ça. Je suis là pour me faire taper par le public,
Et ça va être cool ça. Alors on va créer une partie, nombre de rounds 3, machin, blabla, partie classement, on va voler du point hein, en attendant. Si je te combats, t'es mort. Ah bah viens donc me le faire voir mon ami hein. On n'est pas là juste pour se taunt. Alors qui est Claude? Un français? Ah oui, je suis prêt à combattre. Oui, puis dites-moi si la balance est bonne, hein, parce que je suis absolument pas sûr. Là, j'ai l'impression que c'est un chouïa fort, mais... Chomp est en ligne. Le petit Chompi. Oh, boxeur. Ah, j'ai le choix. Bon, bah, pour le stream, hein, on va faire comme leur DVD, le training stage. J'ai pas une excellente connexion, donc profitons. Et allons-y. Are you ready? Oh. Mais c'est quoi ce boxeur? Non mais... Il fait des entières contre Blancaille, c'est un comique. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est un grand comique. Ah, par contre, il a eu raison. Mais retourne chez toi, s'il te plaît. C'est quoi ce boxeur à la Ken? Va mourir. Retourne dans ton coin. Ah là, il sait même pas bloquer ça. Le mec, il aille mourir. Ah là! Non mais... Je vais perdre le round, mais c'est pas grave, ça a été fait exprès. Non, je plaisante. Non mais Mammouth était pas encore mon ami. Mais il arrête pas de faire des entières, il est franchement... Franchement lourd. Vous pouvez régler le volume vous-même. Là, je me demande ce qu'il fait, quoi. Salut. C'était quoi cette sacoche, en fait? Ah, mais en fait, une demi-mort, il est sur du copier-coller. C'est faible, mon ami, mais au bout d'un moment, tu sais... ça pourra peut-être... Et... ouais. Non, non, il était faible, il n'y a aucun GG, quoi. Et puis en plus, je me suis laissé avoir un round. Non, non, il n'y avait rien, quoi. Alors, voyons voir. Là, attends, je reviens là. Et alors, Mammouth voulait être mon ami. Acceptons la requête. Wax, non, tout ça, c'est bon. C'est réglé. Passons. Alors, on va se faire quoi? On va se faire du combat infini. Enfin non, partie classement. Encore une. On va encore voler quelques points. Ah, si vous m'en voulez pas. Donc le son est bien dosé. Bon, bah c'est cool. Merci, merci Chompa. Bon alors, sur quoi je vais tomber? Est-ce que je vais tomber sur un autre énergumène qui fait que des entières contre un Blanca? On s'amuse. Ou sur un Ken, ce serait tellement bon un Ken. Le son est trop fort maintenant. Encore un français. Dudley. Ah, c'est Ico qui veut m'affronter, ok. Ok, on va faire quelques combats ensuite. Fight.
Ah, je rate mes coups. Je m'échauffe là. Comment ça, je vais morfler contre un Dudley? Non. Tu sais, protection, ça marche aussi, hein, mec. Le mec, il se protège même pas, quoi. Jamais il se protège. Oh, mais ce sac! J'y crois pas, quoi. Non, on va prendre de vrais adversaires, là. C'était nul. Ah, il m'a laissé gagner parce que je suis en live. Non, je suis même pas sûr qu'il soit au courant, le mec, en fait. Combattant solitaire. Bah, ça se voit, mec. L'ordi, c'est pas bon. Alors, j'ai un petit peu rafraîchi la gorge. Et on va prendre quelqu'un, là. Alors... partie personnalisée, tout va bien. Non, c'est créé partie. Population du salon, round de 3. Temps, oui, tout va bien. Créneau privé, 1. Ah, mais film immense, ce serait bien que t'enlèves le caps lock aussi, ce serait bien. Enfin bon. Invitation à un jeu. On va inviter. Tout d'abord. Ah, il y a Darklo. On va commencer par Chomp. Vu que c'est le premier, il me semble. Hein. On va faire 2-3 parties, puis ensuite on va inviter Mammoth. Mais plusieurs places? Ouais, non, mais non. Tout simplement parce que je sais que je suis très mauvais en commentaire et vous regardez jouer, très honnêtement, ça peut être très amusant. Non seulement pour moi, mais pour le public. C'est juste pour ça, Mammouth, sinon je l'aurais fait. Hein. Je l'aurais fait sans aucun souci. Ah, Chomp. Eh ben là, c'est Hit Chomp hein, qui joue. Démonte-le. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Sans compter que je suis pas super bon, hein. Je ne fais que voler des matchs. Hein. Je suis qu'un sale voleur. Oh putain, dictator, quoi. Non, mais reviens là. Ok. Ok, ouais, j'ai réussi à t'avoir, Chomp. Il y a Seiko aussi qui a envie de jouer. Ouais, non, mais non, quoi. Reviens là. Mais non. Et il va réussir à m'avoir. Allez, je suis pas bon. Et voilà, il m'a eu. Je vais voir de quel point je suis devenu gratuit. Ah, si j'arrive à te battre, c'est que j'étais gratuit. Hein. Ça, Seiko, c'est garanti. Ah,
Ouh, ça ralentit là, c'est... Lag switch inclus là. C'est moche. Non! Oups. Pourquoi j'ai pas puni ça? Faudra qu'on m'explique pourquoi j'ai pas puni ça. Je demande la revanche. J'ai tellement plus touché que je suis plus sûr de me rappeler la moindre combo. Parce que tu crois que j'en connais, Seiko? Ah, c'est l'antivirus qui a fait laguer. Ah, la strat de l'antivirus. Je suis prêt, hein, Chomp. Voilà. Allons-y. De toute manière, Blanca, c'est le perso du vol incarné. Hein. Pourquoi j'ai choisi ce stage? Ok. J'aurais pas dû... Vas-y, approche-moi encore. Non mais... Ça va, on va se calmer. Ok, il m'a eu encore une fois. Je sens que je vais changer d'adversaire juste parce que je me fais battre. Je suis un mauvais joueur de toute façon. On va rager. Oh, le EX qui est passé. Non mais non. Non. Voilà, c'est passé. Ok, on va changer d'adversaire. Ah, c'est ça qu'on aime, se faire fesser la gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Bison win. Alors, comment est-ce qu'on fait? Exclure le joueur de la session. Bah oui. Alors, on va inviter Mammoth. Il voulait jouer. On va jouer, on va être deux. Hop! Et puis GG Chomp, hein, au passage, mais bon. Allons-y. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais de mauvaise foi? Hein? Non, je vous l'ai pas dit. Bah, je le suis. Putain, ça gâte, quoi. Ça va spammer les Tiger Soul! Les Tiger Knee, les machins, les Tiger. Let's get started. Voilà, on commence. Non, voilà, on y est. Et ben voilà. Est-ce que Mammoth est solide dans un short? Bah apparemment non, hein, c'est... Yeah.
Non. Voilà. Tu ne m'auras point. Non, non, là c'était... Ouais. Ah, Mammouth, t'as besoin de plus d'entraînement, hein. Parce que normalement, Sagat, il est pété, hein, je vois pas... Là, il va falloir vraiment que tu... Que tu t'entraînes un petit coup. Ah non, pas le T-Hawk. Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais pas T-Hawk? Tu fais trop de jeux, on était perdu. Ah, pourtant Street Fighter c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas. C'est un truc qui se perd pas quoi, c'est des automatismes. Allez hop, T-Hawk! Oh le costume non! Ouais, ouais, pas de soucis, Seiko. D'ailleurs, Mammouth, après, t'auras qu'à faire du classé. Parce que, après Seiko, je pense que je vais me remettre sur le classé. Dans quelle heure il se fait, je regarde. Ok. Et ça te permettra aussi de t'entraîner. Le classé, c'est vache. C'est super sympa pour s'entraîner, quoi. Et puis ça te permettra de me re-rencontrer, peut-être de me voler des points. Ça qui est bon. Volons des points. Alors... Tu vas me voler des points sur le classé. Et salut Kitsuhiro. Eh oui, on n'est pas très très bon à ce jeu-là, mais on s'amuse. Alors, tu m'en voudras pas, Mammouth, mais là je vais jouer contre Seiko. Alors. Accepter la requête, non seulement accepter la requête, mais l'inviter à un jeu. Et donc, tout le monde, hein, ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez envie de me botter les fesses. Faut vraiment pas hésiter, quoi. Je ne suis pas là pour vous botter le fion, mais presque. Par contre, Seiko, j'ai un retour de ton micro. Ce serait bien que tu le coupes. Ah ouais, désolé. Pas de soucis. Je sais pas comment je pourrais le couper, mais... Ah, pour le couper, c'est pas compliqué. Hein. Tu vas là. Paramètres. Et je crois que je pourrais même couper le micro de tout le monde, en fait. Ce serait même mieux, quoi. Périphérique d'enregistrement voix, tu vois, c'est là, quoi. Seuil de voix, tout ça. Ouais. Couper le son du micro, voilà. Pas de soucis, c'est qu'on peut y aller. Ah, salut Darklaw, comment vas-tu? T'inquiète pas, on se fera du match tout à l'heure, Darklaw. Le truc, c'est que après, il va falloir que j'envoie les pubs. Ah ouais, non, 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 non.
Mais t'as toujours un gars du charisme, Saiko. Non. Ah non mais non quoi. Ok, nous y sommes là. Je vais quand même essayer de lui voler un round. Bon. Non. Mais non. C'est ce qu'on appelait ne rien faire là. Anna. Vous ne m'entendez pas trop, c'est que j'essaye de me concentrer. Et il m'a eu, ça y est, la revanche. Allez, match suivant, revanche. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ah, mais c'est terrible de voir ça. Crasse de remonter. Ah non mais... Ah je vais me faire sécher là. Mais... Ok, non. Bon c'est bon, ça va. Bah alors sur le chat, ça bouge plus. Je suis triste. Plus un seul commentaire. Y'a un bug ou quoi? Ou alors vous êtes fasciné par ce niveau du... Ce niveau de Tougeki quoi. Ah, oh. Ah, hypnotisé par le skill, ouais, c'est pas ce que je me disais. Mais qu'est-ce qu'il y a, Dark Claude? Dis-nous. Et salut Bzok, c'est quoi ce jeu? Bah c'est Street Fighter 4. Hein. Voilà, reviens là. Mais non. Who will emerge?
Troisième round. Ok, non. Ah, on va y arriver. Eh ben voilà. Le problème c'est qu'il y a leur DVD qui stream à côté. Non mais vous inquiétez pas. Et puis leur DVD c'est vrai qu'il est bon hein. Super super bon. Bon moi de toute manière là je vais devoir lancer une petite page de pub. Et on aura la belle tout de suite après parce que là je sens que il va falloir. Il va falloir. Alors juste le temps que je fasse une vérification ou deux parce que... Ah, puis t'es parti, Seiko. Ah, tu voulais pas faire la belle. Bon, bah, tant pis. Alors. Ne vous inquiétez pas s'il y a d'autres choses qui s'affichent à l'écran. Oui, ça, c'est bon. Ok, j'avais les vidéos qui tournaient en boucle derrière. Tout va bien. Alors, nous allons nous retrouver dans 2030, un peu plus. Le temps que je remette cette petite vidéo, que je mette la musique. Ok, donc pour en revenir, Seiko est parti. Franchement, je voulais faire la belle. Je te réenvoie une invitation, l'ami. Alors, et juste après, on va affronter Darklaw. C'était quoi cet éléphant? C'est l'éléphant de la scène précédente de l'introduction avec Shadowloo et compagnie. Alors, voilà, couleur vert, tout ça, machin, on y va.
on y est, on va se faire déculoter par un guy de... Il est franchement bon, le guy de Seiko. Franchement, t'es bon. Très très franchement. Allez, on y va. Allez, reviens là. Te fais pas prier. Ah non, mais la glissade, quoi. Moi aussi, je vais faire des glissades. Tiens, un cadeau. Chop qui passe. Non. Oh, oh non, je me fais démonter. Non, 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 non. Non, mais... Ok, non, mais on se calme, là, sur les combos. Tout va bien. Alors, on y est. Ah, oh, mais je crois qu'il me connaît trop bien, Seiko. Et je fais n'importe quoi aussi, hein. Ça aide. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est mieux. C'est juste gratter. Ouais, non mais bravo. Non mais c'est cool. Ultra. Merci. Merci d'être passé. Ok, non, 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 bah c'est au tour de Dark Law, hein. On va y aller. Et donc, bah tu as gagné, Seiko. On va y aller, on va t'exclure, hein, désolé. Hop. Et on va inviter... Dark Law. Alors j'espère que tu es prêt, Dark Law, avec ton Dalsim, ton fameux Dalsim. Parce que moi, mon Blanca, il est prêt. Je suis prêt à me faire démonter. Allons-y. Oh, mais c'est vrai que tu as bien squatté ton alchimie. Non mais non. Putain, version marchand ambulant en plus. Ouais, merci. Et salut Tiu, salut No One. Et n'oubliez pas que vous pouvez venir m'affronter, hein. Pour venir m'affronter, c'est pas compliqué sur Unlife, c'est Data Reaper 1, et c'est la version PC à laquelle on joue. Bravo. Ok. Ah, c'est passé. Ah, ce vol. Ce vol à l'ultra. Ok, allons-y. Continuons. Non, non, si. Ok. Mais qu'est-ce qu'il est lent, le Dalsim, quoi. Non, ça va passer. Ah, oh, la balayette qui passe, quoi. Ok, respect. Ah, mais y a pas à être désolé pour le lag antivirus. Pas de problème, champ. Oh, Adon.
Ah non, il me file des boutons celui-là. Dans le genre perso qui me fait chier, y a Adon. Puis il est habillé comment là? Non, c'est quoi c'est quoi les histoires? Oh cet athlète. Ce qu'il y a de bien avec l'électricité, c'est que hop pif ça touche bien. Ah oh, mais non quoi. Essayons de nous concentrer un peu sur le combat quand même. A voir. Non, là ça va être la fessée là. La vraie. Ah, j'ai tendance à oublier que ça marche plus dans cette version. Non, mais non, quoi. Ok. Ok, ok. Alors. Ben, on va faire la belle, hein. Un partout. Oh non, mais Adon, quoi. Non, mais encore. Non, mais il a envie de me battre. Mais le pire, c'est qu'il le sait très bien que contre Adon, je suis nul. Et je crois que ça se voit. Je suis même persuadé. Ok, non, mais vas-y, amuse-toi! Oh mais je suis gratuit, hein, je suis un sac là. Tout va bien. Cette réminiscence du Clodos Garden. Ah oui, c'est clair que ça ressemble au Clodos Garden là. Du niveau et du niveau, et encore du niveau. Là, on est loin de l'émission de leur DVD où il y a que du bon niveau et du bon niveau, quoi. Ah, mais merci! Eh, bravo! Ok, moi, t'es le meilleur. Tu m'as eu. Ok, bon, on va repasser en classé, hein. On va bien voir qu'est-ce qui peut, qui peut me battre au pif. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Ok, partons de là. Et GG au fait, Dark Lord. Mais Adon, j'ai vraiment trop de mal, quoi. Ah, vous avez obtenu des nouveaux titres. Oui, oui, j'en ai rien à faire. Créons la partie région tout, tout va bien. Ah bah de rien Dark Lost, avec plaisir. Un certain Flex ou Flex. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre en classé, hein, histoire de perdre des points. Hein. C'est toujours bien de perdre des points. Oh non. Sakura. Je devrais avoir du mal là quand même. A voir. C'est vrai qu'il a bien train là, sa Sakura. Mais non, Mammouth, t'inquiète. Ça arrive. What? Reviens là.
Oui, c'est ça, reste là, ouais, voilà. Non mais ces gens qui sautent sur place quoi, en ayant un Blanca au pied. Aucune conscience. Ah bah ça y est, enfin tu places quelque chose. Bon, vas-y, bouge. Ah, elle remonte, hein. Elle remonte. Bon, on sait jamais, hein. Le RIX qui passe. Non, ça passe pas. Troisième round. Tu peux pas perdre de points, t'es à zéro même. Ah, c'est pas faux, c'est une technique. Ah, pas perfect! Que c'est dommage! Mais bon, son niveau est perfectible. qu'est-ce que je peux raconter comme connerie? Bon, au moins on s'amuse. Ah ouais, je passe rang C! J'ai gagné 66 points? Non, 58 points de points de joueur. Tout va bien. Et on continue. On est sur du vol de points, vous êtes toujours sur la MTV3 avec Data Reaper. Et vous êtes bien. Enfin, normalement, vu que dehors il pleut, c'est férié, vous avez rien d'autre à faire que de venir regarder le PC, ce qui s'y passe. Oh non. Bon, avec un peu de chance, je vais perdre des points, là. Ouais, non, peu de chance, en fait. It's the battle of the century. Salut. Et ça joue n'importe comment et ça gagne. Ouais, c'est passé. Non mais viens là, viens te faire rosser. Et les rolling qui passent, que c'est moche. Non mais c'est un joueur débutant. Pire que moi encore. Et pourtant... Ok, on va continuer. Alors sur quoi est-ce que je vais tomber cette fois-ci? Sur du joueur débutant, ultra débutant ou trop débutant? Comme le précédent.
Je suis là pour me faire voler des points, quoi. Ah, Seiko! Ah, il va me voler du point, lui. C'est plus que garanti, il m'a déjà battu deux fois. Oh, je vais perdre des points, je suis deg. Non mais... Non, ça il fallait pas. Ah mais il va y arriver hein. Non mais non quoi. Voilà. Comment t'as réussi à te laisser faire sur celui-là? Ah le double KO quoi. Ah il manquait plus que celui-là le double KO. Voilà, ça c'est une victoire remportée n'importe comment là. Non, non, là j'ai mal joué quoi, je sais pas comment j'ai fait. Envoyer ce replay, non. Oh, genre, je t'ai volé des points, hein. Désolé Seiko. Double KO et ensuite volage de points en bonne et due forme. C'était horrible, ouais, je suis d'accord, mais j'ai bien rigolé. Oh, le double KO qui venait de nulle part. Ah, Mammouth! Mammouth qui vient me voler du point, quoi! Alors, est-ce qu'il va y arriver? Alors, t'as encore 0 PP? Ah! Ça serait tes premiers points, ça serait cool! Non mais viens là. Voilà. Pourquoi est-ce que... Ah! Protection, ça existe aussi. Vas-y, viens là. Ça c'est fait. Ah, envoyer le replay. Ah, j'avais pas compris à quoi ça servait en fait d'envoyer le replay. Mais de toute manière, tout est dans la boîte, hein, Seiko. Là, tout est enregistré, rien n'est perdu. Donc s'il y a des best-of à faire, je crois qu'il en fera partie celui-là. Tueur d'Akuma. Bon, vas-y, viens là. Voilà. Nous y voilà, on est bien. Et puis pareil, hein, je recommence l'appel, mais si vous voulez m'affronter, n'hésitez pas à venir en classer, hein, j'y suis.
Vous me volerez des points. Qui veut des points? J'en suis à 921. J'ai commencé à 700 là. Plus de 200 points en moins de en moins d'une heure. C'est pas mal. Allez, qui est le prochain? Suivant. Neo Arcadia Oyo. Ok. Oh merde, un match miroir. Alors qui es-tu, Neo Arcadia Oyo? Ah, quelqu'un qui a bien squatté le jeu. Ok, je vais me faire voler des points. Et je vais me prendre une leçon surtout. Voilà, ça spam. Ça spam la rolling, ça spam l'électricité. What? J'aurais dû me protéger. Doren, je joue sur quoi? Je joue sur PC. Donc n'hésite pas à m'ajouter ou alors à venir nous rejoindre en classé. Parce que là on est en classé, là ça va être la joie. Surtout que je tombe sur un Blanca qui est bien meilleur que moi. Ouh le salaud. Ouh ça spam. Ok, non c'est bon, j'y suis. Ok, il est bon. Ah mais si t'as envie de faire des matchs, Joren, il faut arriver. Y a pas de souci. Je suis là pour me faire fesser, comme là. Bon, il m'a piqué combien de points lui? C'est pas possible qu'il en pique tant que ça, vu qu'il était en avance sur moi. Ah, j'ai perdu qu'un point. Bon, ça va. Tout va bien. Ouais, non, mais il a fait mal le Blanca. Hein. Très très bon joueur là. Ça se voyait que c'était pas Data avec son Blanca. Son Blanca du pif. Désolé pour ton point. Oh, mais un seul petit point, ça va quoi. On s'en fout. Je crois qu'on va pouvoir se départir de ce petit point. On lui a donné ses cadeaux. Non, c'est Data Reaper 1, ouais, voilà. Tout accroché. French! Canadien! Ok, si tu veux. C'est peut-être un Québécois. Qui sait? Oh, un Akuma. Une fois sur deux, c'est un mec qui sait pas jouer, quoi. En fait, je commence à comprendre les gens qui ça saoule les personnages Shoto. Et moi, les Shoto, ils commencent à me saouler, en fait. Parce que, justement, ils sont trop mal joués par toute une grosse partie de la communauté, et ça m'énerve. T'essayais de faire quoi avec tes boules au pif, là? Il a l'air de se débrouiller celui-là, mais je sais pas. À voir. Mais non, c'est pas Zien, pas encore. On va voir le prochain round. Blacksite, c'est toi, Doren. Bah, pas de soucis, je vais t'ajouter. Pourquoi tu sors pas ton Ken? Ah, bah, parce qu'avec mon Ken, je suis sûr de perdre des points. Idée, je suis là pour voler des points, pas pour les perdre. Enfin, et là je joue n'importe comment de toute façon. Donc, effectivement, je vais finir par sortir un Ken. Ah,
Ok, non, mais il joue plutôt bien en fait. Ok, je me le suis pris. Je me le suis pris. Ah, mais je veux bien. Donc, pas de regret. Je te donne des points. Cadeau. J'en ai perdu 63. Oh le salaud. Ah, comment il se gave. Bon. On va faire un combat infini avec notre ami Doren. Alors, Totok, réparti. Comme tout à l'heure. Alors attendez, je regarde juste l'heure. Ah, je vais peut-être passer des pubs avant. Hein, histoire de, comme ça on sera tranquille. Ça va être 2 minutes 30 de petites pubs. Et on se retrouve tout de suite après. Juste le temps. Hein, c'est où? C'est là. Ok, on y est. Je vais couper cette vidéo. On est revenu après 2030 de pub. On est toujours sur la MTV 3. Et on va se faire botter les fesses. Donc là, je vais inviter Doren. Alors, message. Est-ce qu'il y a des messages d'insultes? Non, pas encore. Je les attends, hein, Seiko, comme toi. Hein. Moi, je trouve que c'est un petit peu le sel de Street Fighter, quoi. Les mecs qui ne savent pas... qui ne savent pas perdre. Et qui t'envoie des insultes genre enfin bon, et j'éviterai les Jérémyan, mais ils font que ça les. D'ailleurs, je me rappelle d'une super soirée hein, où t'avais le mec, on avait beau lui envoyer même des poèmes, le mec il continuait à insulter, genre il croyait que c'était cool. Bref, on y est. Ok, un first to two, deux matchs et une belle si jamais il y a une égalité. Alors le Blanca du charisme, le Blanca de l'amour. Et un Ryu, j'espère que tu vas être bon.
Mais oui, Blanca, on a compris. Tu es beau. Et petit Dragon Punch, il passe la Fireball. Les Rolling, tout va bien. On est là, on est présent. 334 BP now. Ça veut dire quoi ça? 333. Ah oui, 334. Non, non, là j'avoue que j'ai fait n'importe quoi. Ça méritait la punition. Non mais... Ouah, comment c'est passé? C'est passé crème. Non, non mais la super et l'ultra quoi, ça va. Ok. Ok, me suis fait avoir. Non mais j'ai compris, pas besoin de raconter des trucs en japonais qu'on comprend pas. Crasse, tout ce qu'il attendait quoi. Ok, non mais c'est bon, je vais arrêter hein, les rolling. Hein. Ah bah t'as pas mal volé en fait, champ. Voilà, une seule touche. Ah bah quand même, c'était juste hein. Franchement, là on était juste. Et la revanche. Oh non mais c'est dialogue. Ah c'est l'ultra 2 en même temps, moi je sais même plus comment est-ce qu'on fait... Enfin si, elles sont plus compliquées à placer, celle de Blanca est franchement chiante à placer d'ailleurs. Encore pire que l'ultra 1 quoi. Alors que déjà les persos à charge sont chiants à placer. Ont des super chiantes à placer. Mais tu m'aurais placé l'ultra, ça aurait été le vol, ouais. Je suis d'accord. Are you ready? Fight! Allez, viens là! Ah non! Ça aurait dû passer. Et le dragon. Toujours le dragon qui punit. Non mais non. Et voilà. Tu joues au clavier de Ren? Ou je comprends pas ton dernier commentaire?
Et l'ultra qui va passer crème. Oh, l'ultra qui est passé crème. Très mince. Ah, tu joues au clavier? Ah non, mais franchement, respect quoi. Jouer au clavier, j'ai un énorme respect pour les joueurs au clavier quoi, parce que c'est vraiment. Là, compliqué. GG quoi. Bref, tu m'en voudras pas si je retourne sur du classé. En tout cas, GG pour la session. Hein. Clavier, tout ça, enfin bon, c'est. Non, qu'est-ce que je fais, combat fini? Oh, parti avec classement là. Et donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, hein, Data Reaper 1, tout ça. Si vous voulez faire des matchs, faut me demander. Alors juste un truc. Non, c'est bon. Ok, on y est. Alors si vous voulez voir du mauvais niveau, c'est ici. On est là. Et encore un Ken. Who will emerge a champion? Fight! BKR. Wow. Y'a des gens qui ont des pseudos, mon vieux. Mon vieux. Ok, tu veux me spammer les boules là, c'est ça? Reviens là, voilà. Non mais jamais tu fonces là-dessus, Data, jamais il faut foncer là-dessus. Ah, il m'a eu quand même. Ok. Medium kick, fireball, ouais non mais le fireball c'est pour faire joli là, putain mais il spammait quoi. Ok, on y va. Combien de points il m'a-t-il pris? Allez, annonce-moi ça. Oui, j'en perds 56, tout va bien. Je suis prêt au combat, venez m'affronter. Je suis la sacoche numéro 1. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ah, Cthulhu. L'infâme Cthulhu. Le grand profond, tout ça, viens m'affronter. Zangief, ok, original. Mais qu'est-ce qu'il a le grand Zangief? Il a une petite connexion, c'est ça? Le grand Cthulhu n'a pas les moyens de s'acheter une connexion de là où il est?
Ou alors ça va être un match avec 3 frames par seconde affiché à l'écran. Allez! Et après on nous parle du PSN. Le joueur a quitté la session, voilà, super. Cthulhu a eu peur de Data Reaper, je savais bien, je suis plus fort qu'eux. Je suis plus fort que les anciens. Créer une partie. Prends un Ken. Allez, montre-nous ton skill, Ken. Que l'on soit d'accord. Que j'ai envie de rire. Ah, 2625. Ouais, j'ai peut-être moins à rire, là. 3500, il l'a bien squatté. Peut-être un vrai Ken. Non, là c'était idiot ce que t'as fait. Reviens là, sois gentil. Non, il est loin d'être mauvais. Bah alors, sur le chat, c'est encore endormi. Ils sont tous en train de s'entraîner, c'est ça? Ils sont tous en train de me chercher sur le match en classé. C'est quoi les problèmes? Expliquez les problèmes. Ouais, c'est ça. Reviens là, toi, avec ton grand Dragon Punch, là. On en a marre que tu perdes. Ah bah, en même temps, c'est le but de la session. Hein. J'ai pas arrêté de gagner depuis tout à l'heure et là, je tombe sur des forts. Je suis un sac, je suis là pour ça. Tiens, d'ailleurs, tu ne l'as pas le jeu, Sixi. Et bonsoir à toi. Voilà, j'ai encore perdu des points. Oh, tu as l'impression que t'as trouvé un nouveau rival. Et mon œil. Ah, j'ai assez peu perdu de points, là. Ouais, il était trop gros pour moi. Ah, salut Oniyami. Moi, je suis prêt à prendre n'importe qui ce soir. Hein. D'ailleurs, ce sera comme ça tous les lundis. Hein. Panindias, ça me dit quelque chose. Je suis sûr que je l'ai déjà rencontré quelque part, lui. Enfin, bref. Et salut, Papounet! Oh, le pseudo, j'adore. Non mais, vas-y avec ta Camille quoi. Il joue pété en plus. Ok. Reviens là Camille. Non mais non. Voilà, comment est-ce qu'on se fait avoir? Eh oui, et puis j'aime bien ce costume, hein. Franchement sympa. La dictatrice. Oh non mais non, quoi.
en Yex en plus. Non mais... Ça va, la punition, j'ai compris. Et on gratte un peu, on sait jamais, hein. C'est un malentendu, ça pouvait passer, mais non. Oh, plus le commentateur, non mais... Quoi? Non mais... Voilà l'erreur qu'il fallait pas faire. Ah, elle a essayé le châtiment corporel, mais j'ai résisté. Non, tu ne m'auras pas. Ah non, 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 non! Ah mais c'est des priorités horribles son coup là! Je me suis fait avoir! Trop fort pour moi là! Fouf! Ah c'est le GG! Très bon match, encore 49 points de perdu. Non, tout va bien, j'en avais gagné 200. Alors, créons la partie, faisons-nous botter les fesses. Oh, la danse de Mr. Bison. Crulex, je croyais qu'il avait marqué Cruelex. Un anglais. Eh ben, on va lui faire avaler son roast beef. Si jamais il a envie de venir. Pas l'impression qu'il a envie de venir se battre là. Bon, allez, commencez en premier, messieurs les Anglais. Je vous attends. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'ils attendent là? C'est le déluge ou quoi qu'ils attendent? Ah, tout ça pour un Oni quoi. Et en plus, je suis sûr qu'il va avoir un lag switch. Ouais, il attend le débarquement au Niami, ouais, tout à fait. Ton nom fera peur à n'importe qui. Ouais, je suis pas sûr. T'as quoi contre les Oni? Bah, comme tous les persos Shoto, en fait. J'ai rien contre eux, mais je vous avouerai que la moitié du temps, ils sont très mal joués. Puis c'est quoi ce skin? Il est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais avec ce coup là? Tu peux spammer hein. Là pour l'instant soit il me laisse gagner le premier round, soit il est gratos. Et je crois qu'il me laisse plutôt gagner le premier round. Ça peut durer longtemps. Oh, mais il attendait que ça, quoi, ce salaud! Oh, vas-y, reviens. Ce retournement de situation, je crois pas. Ok, ma faute. Enfin une victoire, non, on y a cru, oui. Et
Et là il me sort son bras level, ok, il va plus me lâcher. Mais ça sera pas le perfect, enculé. Saleté. Oh désolé, je me suis laissé aller sur les insultes. Ah non, il m'a brain. Non mais c'est ça, non mais laisse la tête de Blanca là. Oh, tranquille. Ouais, non mais puis arrête de faire gonfler les chevilles, quoi. Encore 31 points de moins. On est franchement pas bien, quoi. Ah non, le perfect, il m'aurait fait mal, là. Non, non, il m'a brain sur le premier round, ouais. Réellement. Un américain, Hanzo SW. Oula. Oni supérieur à Hall. Bah, quand il est bien joué, bah vous avez bien vu qu'il était super bon. Hein. Par contre, quand c'est mal joué, bah voilà quoi, c'est comme tous les shotos quoi, ça vaut rien. Quand c'est mal joué. Mais un bon shoto, c'est toujours garanti. Salut Radlex. Ouais, je joue seulement avec Blanca ce soir, mais sinon, je prends aussi du shoto. Et bonne soirée à toi, Doren. Je prends aussi du shoto, du personnage à charge. Mais on va dire que le seul que j'ai réellement taffé, c'est le petit Blanca. Mais je peux sortir un Ken hein, tout à l'heure si vous voulez voir. Un Ken absolument diabolique. Et on en entend encore parler dans les cours de certains streams. Hein. Le Ken du One Direction, One Button. Technique déposée. Hein. Interdit de reproduire. Bon allez, viens là, dictateur. Reste pas dans ton coin. Alors si je donne l'impression que je lis pas le chat là tout de suite, c'est que je suis concentré sur le match. Voilà, on revient sur le chat. Tu veux que je sors un Ken après, Ubzok? Bah y'a pas de souci. D'ailleurs, si t'as envie de m'affronter, y'a pas de problème non plus, hein. On est sur PC. Et le pseudo, c'est en bas, c'est en haut à droite, là. Enfin, à gauche. Non, je suis à gauche, là, ce soir. Et on pourra s'en donner un cœur joie si t'as envie que je sorte un Ken, je sortirai un Ken. Non mais c'est bon, ça va toi, ma tête c'est pas un boulevard. Ouh le salaud. Pas encore le jeu lundi prochain je pense. Ah, ça serait cool ça. Pourquoi je l'ai pas touché? C'est moi la campouse. Non mais là j'aurais dû toucher. Et là si je commence à mal jouer. Et le téléphone qui sonne, j'y répondrai pas, hein. Mais attendez, je vais raccrocher ça. Go win? Ben non, ça n'a pas été go win. Là ça va être go wine. Je vais retourner dans mon coin et pleurer toute la soirée. Enfin non, ça n'arrivera jamais. Je suis habitué à me prendre des défaites et des déculottés. Ah, il m'en a fait perdre du point, lui. Pour le coup. Et salut, Radlex. Oui, je me suis même fait avoir par celui-là alors qu'il était gratos. Ah, mais je vous l'ai dit, hein, c'est le stream de la gratuité, ici. Et on va sortir un petit Ken, quitte à se faire avoir. Un Don Clusty français. The world's fiercest fighters await. Will you be the last one?
vous allez voir que ça va être joyeux. Et c'est qui mon personnage préféré? Bah c'est Blanca normalement. C'est celui que je prends le plus souvent tout ça. Quitte à se faire Ken énorme comme jeu de mots, oui. Là il était énorme. Oh non, il prend celui-là quoi. Non. Allez viens là. Ceci étant, ça fait longtemps que j'ai pas joué Ken quoi. Allez, on va faire voir à ce foireté, c'est quoi un One Button One Direction. Voilà. Salut. Et si vous trouvez la technique ridicule, c'est que c'est du spam, vous inquiétez pas, tout va bien. Il a réussi à m'avoir avec son foireté, là. Non, c'est pas bon. Oh non, ultra, quoi. Vas-y. Mais j'aurais peut-être pas dû, hein. 20 000 BP sur foireté, quoi. Le mec qui a pas squatté. Ça décontenance bien cette technique en général. Ah bah oui, je me suis fait exploser, puis j'avais jamais vu en fait un foireté aussi bien joué. Tu trouves que je joue au pif en face? Ouais, moi aussi. Même pas l'effort de faire un bon jeu. Ok, vous vouliez voir un Ken, vous avez vu un Ken One Button One Direction. Ah, il fallait vraiment que j'en fasse la démonstration sur Millennium. Salut Addict 544, même pas test Lightning Cannonball. Oh là là. Eh, vous avez débloqué une nouvelle couleur pour Ken. Oh, trop bien. Je suis trop content. Ah, ça va être l'heure de la pub. D'ailleurs, pendant la pub, n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez envie de jouer contre moi. Sinon, moi, je vais relancer d'autres matchs infinis contre... je sais pas, contre Mammouth, tout ça, machin. Enfin bon, Mammouth, Seiko... ceux qui sont là. Parce que bon, c'est bien de se faire voler des points, mais là, il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a les combats infinis. Bref, ça te rappelle ta mère sur Tekken? Ah, bah, content. Non, je préfère Blanca, mais le One Button One Direction, c'est quand même garanti, les gars. Il faut essayer au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte comment c'est ridicule. Tu t'es fait exploser, ça change pas. Bah oui, ça change pas. On y va. Alors, hop, petite pub. Ah, liste de lecture, c'est où? C'est là. Et à tout de suite. Yeah.
Alors, Seiko m'a envoyé une invitation à jouer. Hein. Il a envie de se faire botter les fesses. Ou alors, ça va être moi qui vais me faire botter les fesses. Bref, on s'en fout. Et donc, on me dit que j'ai l'air joyeux de me faire botter les fesses. Ben oui, bah attendez, c'est un jeu, quoi. Je vais pas commencer à avoir le jeu mauvais. Hein. J'aime bien jouer, j'aime bien perdre. Perdre fait partie du jeu, gagner fait partie du jeu aussi. Quand je gagne, je suis content. Quand je perds, bah, ça m'a fait passer mon temps. C'est cool. Donc, allons-y. Alors, attendons. Alors. Hop, message. Alors, attends, où est-ce que c'est? Il m'avait envoyé un message, ok. Donc, tant pis. Bon, passons. Je vais t'envoyer une invitation. On va faire un combat infini, là. On va se refaire deux petits combats. Il coûte combien sur PC? 30 euros. Bah, en fait, non, ça dépend. C'est 15 euros, en fait, le set de base. Donc, sans les costumes supplémentaires. Et sinon, en promotion, il arrive régulièrement à 7 euros, hein. Que ce soit sur Steam ou que ce soit sur d'autres plateformes. Il est franchement pas cher du tout, hein, le Street Fighter 4. Mais gagner, c'est mieux que perdre, non? Très honnêtement, c'est pas grave. Ça, moi, gagner ou perdre, comme je vous ai dit, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, là, vous êtes sur la MTV3, hein. Tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il va y avoir Diablo The Tank à 19h, hein, qui va prendre ma place pour votre soirée. Alors, Seiko, tu n'as toujours pas arrangé ton problème de retour micro, hein. Enfin bon, pas grave, allons-y. Alors, ouais, là je risque pas de perdre de points, je vais te sortir mon Ken diabolique, tu vas l'aimer. Je sais que tu l'aimes. Sur PS4, sur PS3, tu adores ce Ken. Bon bah donc si tout se passe bien, c'est XC. Tout à l'heure, il devrait prendre ma place tranquillement. Tout va bien. Sors-nous des filles un peu, Radlex. Ah, je ne joue que des mecs à ce jeu. Par contre, un jour, s'il y a suffisamment d'adversaires, je vous ferai bien du Dead or Alive sur... Dead or Alive 5 sur le PSN. Et là, je vous sortirai des filles. Ouh, le lag switch. Allez, viens là. Ouh, ça lag. Et ben voilà, ça passe. Non mais non. Ah merde! Bon, il est temps que je fasse une super au pif. Qu'est-ce que je disais? On bourre et ça passe. Ça passe pas en fait. Mais ça gratte. Là j'essayais de faire la boule de feu, mais avec le lag, c'était énorme. T'as un free sur la MTV3? Ah, pourtant, moi j'ai tout ce qui est... Tout est au vert, depuis tout à l'heure. Donc je sais pas ce qui se passe dans ce cas-là. Mais rien de grave. Allez. Et la punition directe, ok. Ça c'est normal. Non mais... Oh! Je pensais avoir gagné là. Ah là c'était le match du n'importe quoi.
digne du Clodos Garden ce qu'on a fait là. Non mais. Non mais. Qu'est-ce que je fais? Je punis même pas quoi. Ah mais je sors plus rien là. Aïe! Non mais. Ok, GG. Mais aïe quand même quoi. Ok, la revanche. Ça va pas se passer de la même manière, on va prendre Blanca. Bon là j'espère que je vais gagner hein, parce que c'est pas le tout de perdre. Mais des fois gagner ça permet de varier les plaisirs. Et puis il y aura une belle au moins. Priorité sur les rolling qu'il a. Non mais c'est ça ouais. Tu aimerais voir une victoire. J'ai eu pas mal de victoires au début du stream. Mais là j'avoue que je perds. Je sais pas à quoi c'est dû. La fatigue, la lecture du chat, la manette récalcitrante, les excuses du sac. Tout est là. Vous êtes sur le bon stream. Non mais ça va ton ultra là. Tu la sens bien là? Tu la vis bien? Oh merde. Je me suis pris en pleine poire. Ah oh, c'est moche. And the battle continues. Fight! Non. Bah voilà! En plus, c'est de votre faute! Bah oui, que c'est de votre faute, c'est toujours de la faute du chat! Ah, les excuses de sac, c'est infini, hein! Je peux vous en sortir toutes les 3 minutes, hein! Et des différentes! Non. Bon, c'est pas passé. Tout va bien. Sauf que là, je vais y avoir droit à la défaite. Non, mais... Tu n'as pas le droit. Comme toujours, on perd. Non mais là c'était la sueur sur les doigts, ça glissait sur la manette, comprenez, ah c'était pas bien. Bon allez on va se faire une belle quand même Seiko, là j'ai envie de jouer encore. Et il est parti Seiko. Bon tant pis, on va inviter quelqu'un d'autre dans ce cas. Hop. Il y a Chomp qui est dans le coin, il y a Penindias, bah je savais bien que je le connaissais Penindias. Voilà, t'es invité. Chomp. J'invoque Chompy. S'il est là, hein. Sinon, je vais me faire rosser par Penindias. Penindias, il t'a fait mal. Ouais, non, il est bon. Hein. C'était lui qui avait une Camille tout à l'heure, il me semble bien. Hein. Il est très bon. Who among the challengers will make-
Alors, on m'a dit de sortir une fille. On va sortir Camille. Comment ça, c'est pas une fille, Camille? C'est ça, va. Viens me chercher. Ah, mais c'est que t'as volé du poing depuis tout à l'heure. Tu ne mords à point. Ah non, mais non. Je savais bien que si ça passait, c'était un miracle. Et non, c'est pas passé. Et puis le Bison Rose, quoi. Ça va, quoi. Ah, il m'a eu! Je pensais que les autres joueurs pouvaient voir mon mode de guy déguisé en Ryu et Yabusa en Ninja Gaiden. Bah non, j'ai que le set de base, moi. Je suis pauvre. Le Cannon Spike du pif. Viens là. On va pas te faire de mal. Et le bourrage qui passe. Et oui. Ah, mais quel skill j'ai. Mon dieu, je m'aime. Ok. Et revenge. On réclame la revanche. Ah non, pas Makoto. Ah non, pas Makoto. Ah mais moi je fais des cauchemars sur Makoto. Ah, il faut pas. Ah non, pas Makoto. Who will emerge a champion? Fight! Pourquoi est-ce que je bourre petit point à chaque fois? Je suis trop habitué à jouer Blanca, moi. Non mais non. Ah ouais, c'est ça que t'attendais. Ok, je t'ai quand même eu. Non mais Makoto, j'en fais des cauchemars, quoi. J'arrive jamais à gagner. Là, si j'arrive à gagner, ça sera pas mal. Puis ça me permettra de sortir une nouvelle excuse du sac. Ouais, oh, c'est Makoto, c'est normal. Par exemple. On gratte un peu, hein, désolé. Non, mais comment?
Oh là là, ce vol. Voilà, c'était un vol. Ok, salut JJK. Juste un truc. Juste un truc. Non, je fais un truc là. Ok. Hop. Ça a pas marché. On peut retourner au match. Tout va bien. Non, c'était juste pour kickban quelqu'un, mais. Spamage de lien. Je déteste les spamages de lien tempestifs qui servent à rien. Surtout si c'est pour des pubs à la con. Non, pas perfect. Ah voilà, je me disais. Ok, petite victoire. Comment ça, c'est pas une pub? Ça ressemble à une pub, hein. Je suis désolé. Bah, je vois ça que tu l'as jamais joué, mais il n'empêche que moi, Makoto, je peux pas. Allez, on fait un autre match. Moi, je peux pas, Makoto. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme perso que je connais pas du tout? Ou que je connais pas bien du tout? Allez, on va prendre un clos. Donc en fait, c'est pas des pubs, c'était une photo un peu... Comment dire? Peut-être dégueulasse? Est-ce que tu peux changer la carte après, c'est-à-dire la carte? Le stage? Ouais, si tu veux, mais par contre, vu mon petit débit pour faire le stream, c'est le stage qui passe le mieux, le plus lisible en fait. C'est pour ça que je le mets à chaque fois. Oh non, on va pas se faire gangbang par les liens, quoi. Ah, attends. Ah non, ça... Ah, puis ça passe! Salaud! Ouais, tout va bien, merci. J'ai fait flipper tes chats! Oh bah absolument désolé, en plus j'adore les chats. Ouf! Là, le lag switch est enclenché, hein, je confirme. Ah, mais ça super, comment elle est chiante à sortir! Ah là, je me suis fait avoir. Ok. Non mais pour finir, on va se faire... Quoique... Eh Chomp, tu vas pas m'en vouloir, hein, je vais t'exclure. Et je vais voir si je peux me faire poutrer par... Ah. Ah non, il est pas là. Il n'est plus là. Ok. Pain in the ass, ça aurait été fun, mais non. Ok, bon bah ça va être du classé. Je vais aller perdre des points. Oui, quitter la session. Bon, en tout cas, j'espère que Diablo The Tank est prêt. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est moins 5. Ok, il est presque temps de finir.
Donc, non, excusez-moi, pour le coup, je vais plutôt dire que je suis prêt. Voilà, je suis prêt à rendre l'antenne. Et on veut des points. Non, mais on va être obligé de couper l'antenne bientôt, hein, donc vous inquiétez pas, de toute manière, on est de retour lundi prochain. D'ailleurs, pour faire un petit peu de publicité sur soi-même, de l'autopromotion, etc., etc. Et je reviens demain matin sur du Saturn Tour. Demain matin, on va vous faire découvrir des jeux Saturn. D'ailleurs, tout un pan de la culture Saturn que je connais pas, alors que je suis censé connaître ça par cœur. Mais ça va être du FPS Saturn. Alors que moi, j'étais plutôt jeu japonais. Et salut LR! Juste au moment où je vais pas tarder à rendre l'antenne. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a aussi le jeudi où c'est des jeux d'arcade qui ne sont jamais sortis sur console, etc. Que devient Fessé Hebdo? Comment ça, je suis un salaud? Mais non, je suis pas un salaud. Je suis là déjà depuis 17h. Que devient Fessé Hebdo? Fessé Hebdo va revenir. T'inquiète pas, Seiko. Ça, c'est une promesse que je fais et je vais la tenir. Par contre, sous quelle forme et sur quelle chaîne, je ne sais pas, mais ça va revenir. Ah bah, ça répond pas. Bah, attendez, pendant ce temps-là, je vais quand même vous passer une petite page de pub le temps que j'ai la réponse, hein, pour la suite. Et je vous tiens au courant. Ah, je me perds dans tous mes dans toutes mes fenêtres d'ouvertes. C'est beau. Le temple qui nous abrite. Voilà.
Bon, excusez-moi, mais apparemment Diablo a un tout petit peu de retard, donc on va se faire un petit peu plaisir hein, le temps qu'il arrive. Il devrait pas tarder dans les 5 minutes, hein, je pense. Et donc, vous allez encore assister à une perte de points. Hein, comme si c'était pas habituel ce soir. Alors, partie avec classement. Et donc, j'en étais où, moi, déjà, tout à l'heure? Je vous disais que je vous retrouvais... Oui, c'est ça, c'est... Tous les deux matins, je vous retrouve pour de la Saturne demain, pour de l'arcade jeudi, et pour Deadly Premonition le dimanche. Et sinon, entre deux, il y a mon collègue Aeltan qui va nous faire son jeu de voiture que j'oublie toujours mercredi. Ça y est, c'est un jeu de voiture en multi. Possibilité de voir Shenlu. C'est qui Shenlu? Ou alors je suis en train de me perdre. Comment il s'appelle Comment il s'appelle ce jeu de voiture? Win in the Red. Ok. Bref, ça me reviendra. Ah, Chun-Li! Il n'y a pas Samir Mirage. Si, si, il est juste un petit peu en retard. Salut, Loading. Il devrait pas tarder à arriver. Faut pas s'inquiéter, là, il doit être en train de se faire un sandwich et il arrive. Hein. Pas de problème. Je couperai l'antenne à ce moment-là, faut pas s'inquiéter. Et salut Mirage. Là on va juste perdre quelques points sur du Street Fighter 4. Tout va bien. Et l'émission de la multideuse revient évidemment. Pourquoi j'ai pris Ken moi? Pour me faire voler des points, c'est définitif quoi. Surtout en face, il est bien entraîné là. Ça va être un viol en direct en fait. Et la multidose reviendra bien évidemment lundi prochain, hein, à la même heure certainement, hein, entre 17 et 19h. Ça se voit que je sais pas jouer Ken? Non, ça se voit? Oh, comment ça passe? Ça, c'est du pif ou je m'y connais pas. Ouais, non, mais bravo, quoi. Tu fais voir un semblant de skill pour tout de suite après te faire avoir. Que c'est mignon. Allez, reviens là. Ibuki. Mais ça fait plaisir de voir des Ibuki bien joués. Et ouais, DZT, bah là il est en train de se faire enfin il est en train de manger un petit truc, mais il va arriver. Il faut pas s'inquiéter, il arrive, il a un petit peu de retard, et désolé d'ailleurs. Sérieusement, Oniyama? Je n'y crois guère. Pas bon, il va pas tarder à arriver, faut pas s'inquiéter, il est à la gaming house, hein. Tout va bien se passer. Orange Apple, ok si tu veux, Orange Apple, Orange et Pomme, 5 fruits et légumes tous les jours, hein. Très important. Et il nous a pris une rose, ok. J'espère qu'il joue bien. Ouais, ça devrait aller, je vais encore me faire voler des points. Alors, viens là. Arrête de me faire tes boules, quoi. Ça peut durer longtemps, Rose, hein. Si tu réagis pas. Je sens que vous allez assister à un match du... à un match du skill ou du jeu m'en foutisme. Je crois que c'est le jeu m'en foutisme qui est là. Parce que faire jouer le temps alors qu'il reste 60 secondes.
Non mais merci. On a compris. J'alimente les USA là, oui c'est clair. Non mais non, merci. And the battle continues. Fight. Eh non, ne te tenez pas en l'œil encore, Azap. Bonsoir à toi. Mais il va pas tarder à arriver, pas d'inquiétude. Juste le temps que je vérifie un petit truc, tout va bien. Je me suis fait avoir alors que j'avais pas la manette en main. Excuse de ça, hein, je vous l'avais dit. Hein. Et ça va être un perfect. Mais oui, envoie-moi un perfect. Excuse du sac, bonsoir. Oh mais merci quoi, du perfect. C'est gentil de CXC. Non mais là on va se faire du combat infini s'il y a du monde. Hein. Attendez, je vais vérifier. Ah non, il n'y a plus personne, ils sont tous barrés croyant que l'émission était finie. Ah, je suis triste. Je suis vraiment triste. Obligé de me faire du combat infini alors que je vais me faire avoir. Je vais me faire ratiboiser tous mes points. Et bonjour Benji Ox, DZT est un peu en retard. Ne t'inquiète pas. Il arrive. Pendant ce temps-là, vous avez le droit à des matchs du non-skill avec Data Reaper. Qui va se faire voler tous ces pauvres points qu'il a essayé d'accumuler. Yo, c'est quoi le nom de ton jeu? Bah, c'est Street Fighter 4 Arcade Edition. Et c'est bizarre quand on a besoin de gens pour combattre et plus personne. D'ailleurs, si vous voulez me combattre, hein, faut pas hésiter à venir. Hein. Ah, et Seiko qui est plus connecté. Je te défie au jeu du démineur. Non mais arrête, tu risquerais de me battre au démineur aussi. D'ailleurs, on peut jouer à plusieurs au démineur. Il me semblait que c'était un jeu solitaire. Je peux me tromper aussi, hein. Tu arrives, Seiko? C'est gentil. Du coup, je sors de là parce que déjà, d'une, il n'y a personne, et de deux, j'ai pas envie de me faire voler le reste de mes points. Ah oui, non, mais qu'est-ce que je fais? Hein, combat fini, voilà, créer une partie, hop. Il y a un nombre de touches plus le timer aussi. Alors, Seiko. C'est fait. Tu as été invité. Au moins, je pense que je me ferai pas battre tout le temps. Oh, on va se le jouer avec style. Ah oui, tiens, je le prends jamais. Le colonel Guile, qui n'est pas du tout joué par JCVD, hein. Pas là, mais... Heureusement qu'il est là, lui. Ah, tu n'as aucun jeu sur PC pour une connexion de paysans? Ouais, mais ça devrait aller pour faire du multi, même une basse connexion. Hein. Ne crois pas que j'ai une grosse connexion d'ailleurs. Hein.
Voilà. Ah ouais. Ah oui, d'accord, on y a mis. Ouais, là je comprends mieux, ouais. Effectivement, t'as une toute petite connexion, ouais. Hein, je me suis fait avoir. Non mais... Le colon dive. Et voilà comment on va se faire avoir. Ah non mais non. Ah bah c'est le décor, hein. C'est vrai que ça ressemble plutôt à des guignols. Puis habillé en jaune en plus, jaune poussin. Oh merde. Oh la chope. Non mais... Ah bah quand même. Ouais, bah ça sent vraiment la bout de ligne au Niyama, hein. Je suis trop fort, mais non, je suis nul. Tiens, rien, je me fais avoir. Et puis en plus avec un perso que je joue quasiment jamais. Et Seiko, il prend pas son main, hein. D'habitude il prend Guy. Non, là, c'est un match digne du Clodos Garden. Le bon vieux tournoi qu'on avait organisé à l'époque sur Twitch. Enfin, qu'on avait organisé, c'était Mister MV qui l'avait organisé. Ah, mais. Tu peux pas te prendre le Sonic Boom comme tout le monde? Voilà. Comment ça, sur la MTV2, c'est jusqu'à 20h? Ok, je comprends pas trop, mais je verrai à la prochaine coupure pub, hein, je regarderai ça. Est-ce que je suis à la GH à Zap? Non, pas du tout. Je suis en région parisienne, j'aurais bien aimé être à la GH, hein, pour faire du Street Fighter, parce que pour le coup, ça m'aurait arrangé d'avoir du 720p, puisque là j'ai pas la fibre, tout ça, je suis sur un simple ADSL. Et Seiko, c'est quand tu veux, hein, je suis prêt, moi. Tu joues random? Ah bah je vais essayer random pour les hommes aussi. Et random pour les hommes, sur quoi on va tomber? Heureux Hubzok. Bah j'ai regardé l'agenda, normalement c'est Diablo The Tank, hein, qui est là à 19h sur la MTV3. Et pas moi. Diablo vient quand? Bah normalement il devrait être là, il devrait arriver, il va pas tarder normalement. Oh non, Dalshim, non, non. Oh non mais ce spam quoi. Et là c'est un perso que je joue jamais. Encore moins que Gail. J'ai vraiment pas eu de chance sur le random quoi. Non mais non. Ah
Voilà, prends-toi mes coconuts. Non mais... Voilà, Yoga Fire, Yoga Fire. Et le Yoga Flamie X qui passe pas. Allez, Tiger Soul. C'est un match code rep, hein, comme on appelle ça de par chez nous. Ouh. Oh, mais... Ah, ce grattage. Ok, non mais on va prendre son main, hein, ça ira beaucoup mieux. C'est nul, oui, non, c'est pire, c'est Data Reaper, les gars. On est là pour s'amuser. Ok. Donc, Diablo the Tank vient de me dire que c'est bon, donc je vais... Bon allez, je vais couper court là, genre à ce round là, le temps que Seiko l'entende. Je vais couper le stream. J'ai plus la main sur la manette, Seiko, tu peux y aller. Donc ok, qu'est-ce que je veux dire, bah, je vais quand même vous souhaiter une très très bonne soirée avec Diablo the Tank, hein. Et nous on se retrouvera demain matin pour le 7ème tour, hein, très vite. Et donc, et puis sinon la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, pour la multidose, pour me voir perdre ou gagner ou voler des points sur du Street Fighter 4. Et bien sur ce, bonne soirée avec Diablo the Tank et à très vite. Allez, tchuss.